Andy, do you feel that the public has insulted your art? No. Well, do you think that they've shown a lack of appreciation for what pop art means? No. Andy, do you think that pop art has sort of reached the point where it's becoming repetitious now? Yes. Are you just going to carry on? Yes. Ce tableau est arrivé dans les collections d'abord du Musée d'Art et d'Industrie en 1973. L'histoire, elle est assez belle parce que c'est l'histoire d'une rencontre en fait. Bernard Ceysson, qui était le directeur du Musée d'Art et d'Industrie, rencontre la galeriste Ileana Sonnabend qui présente toutes les avant-gardes, notamment new-yorkaises. Et parmi les artistes qu'elle défend, vous avez Andy Warhol. Une fois que l'œuvre était acquise par la ville, aujourd'hui par la métropole, puisque c'est de l'argent public, c'est l'argent des citoyens, eh bien, nous avions les livres d'inventaire. Et dans ce livre d'inventaire, je trouve en fait tous les éléments qui sont importants par rapport à l'histoire de l'œuvre. Et par exemple, ici, j'ai l'inscription au dos de la toile « To Nico Andy Warhol ». Donc ce tableau, il a une histoire. Il a appartenu à une femme qui a été très proche de Andy Warhol, qui a partagé en fait toute son aventure, qui était très très engagée. Ce qui figure au dos de la toile, c'est toujours extrêmement important. Vous pouvez avoir une dédicace comme celle-là, vous pouvez avoir un titre. Et puis vous avez aussi souvent des étiquettes, et les étiquettes, elles nous racontent parfois tous les voyages que l'œuvre a pu faire. Et un élément extrêmement important, je vois trois numéros. Je vois le numéro 73, le numéro 5 et le numéro 2. C'est comme un numéro de sécurité sociale. 73, ça veut tout simplement dire que le tableau a été acheté en 1973. 5, c'est la cinquième œuvre qui est arrivée cette année-là dans les collections du musée. Et 2, parce qu'en fait, nous avons acheté 3 œuvres à Ileana Sonnabend. Et je vois que Bernard Ceysson écrit à Ileana Sonnabend « Vous réalisez ainsi notre plus cher souhait, qui était de montrer à notre public, au public jeune surtout, ces œuvres pop qui sont certainement parmi les plus intéressantes de ces demi-siècles. » Le Warhol, c'était 30 000 francs de l'époque, et aujourd'hui, on parle en millions d'euros. Et donc, bon, le prix n'est pas intéressant en tant que tel. Ce qui est intéressant, c'est que les conservateurs aient fait cette démarche qui fait qu'aujourd'hui, le public a la possibilité d'avoir un libre accès, autant que faire se peut, à ce tableau de Warhol. Et qu'aujourd'hui, le musée voudrait faire la proposition d'acquérir un autoportrait de Warhol, ce serait absolument impossible parce que ce serait des sommes qui seraient trop considérables. Donc c'est surtout ça qui est important, c'est pas tellement le prix, c'est le fait que ce soit à la disposition de tous et de toutes. On voit aujourd'hui l'œuvre d'Andy Warhol. En fait, le but, c'est de s'assurer que l'œuvre, lors de ce prêt, va arriver en bon état. Peut-être je vous laisse lire. Oui. Nous avons constaté, donc fait un constat contradictoire qui a permis de comparer le constat que j'avais réalisé au Musée d'Art moderne et de comparer l'état lors du déballage. Ce document, ce constat, ça a vraiment une valeur juridique en cas de litige, en cas de sinistre éventuel sur l'œuvre. Je vais indiquer la griffure qui est ici. Alors... Et de nouveau, au retour, on constatera l'œuvre pour s'assurer que tout est OK et qu'on n'a pas de restauration à effectuer. Alors moi j'ai la zone de déformation là, c'est ça hein? Voilà, ça en fait c'est un ensemble de craquelures. Est-ce que vous pouvez dire à surveiller cette zone là en fait? Parce que comme ça au cours de la maintenance on serait particulièrement attentif. Il y a tellement peu de Warhol dans les collections françaises. Et à Pompidou on n'a que 2 œuvres peintes de Warhol, dont les Ten Liseuses, mais il y a très peu d'œuvres. Donc là c'était intéressant. Aussi d'avoir ce prêt. Cette œuvre est assez essentielle dans le parcours de l'exposition. J'ai souhaité véritablement qu'elle ait un rôle de pivot dans l'articulation du parcours. Ce tableau, qui était en plus très important pour Warhol, a toute sa place dans l'exposition. Comme le dit Roy Lichtenstein, l'atelier de Warhol en lui-même était une œuvre d'art. Et c'est un petit peu ce que j'ai voulu évoquer ici à Metz, mais en mélangeant les médiums. Pourquoi un chef-d'œuvre devrait être une peinture et pas ce show multimédia qu'il a pu réaliser, par exemple, pour le Velvet Underground? Et aussi donner la place à ces artistes qui étaient autour de Warhol et qui ont fait des photos de cet atelier en évolution totale qu'a été la Factory. Donc là, on voit par exemple la photo de Billy Name qui passait sa vie avec Warhol dans ces années-là. Et c'est très beau parce qu'il a photographié Warhol, très penseur, alors que derrière, il y a le portrait du musée de Saint-Étienne, où là, au contraire, Warhol est penseur, mais il a les yeux véritablement ouverts sur le monde. Dans ces années-là, il n'est pas un poète isolé dans sa tour d'ivoire. Il est véritablement quelqu'un qui écoute les stridences, les dissonances du monde contemporain qui l'entoure. Et donc, ce tableau incarne cette attitude d'être véritablement à l'écoute. Vous voyez que vous avez des craquelures qui ont tendance à se relever. Là, le tableau a été accidenté par derrière. Mais normalement, là, c'est fixe pour moi. Donc, je vérifie quand même. Mais, quand on regarde comme ça l'œuvre décadrée, on voit tous les petits détails techniques. On voit très bien, par exemple, que l'œuvre a été montée après exécution sur ce châssis. Souvent, sur les œuvres de cette époque, le montage paragraphe est au revers, parce que l'artiste a pris soin de ne pas mettre d'agrafe sur les tranches, parce qu'il sait qu'on va les voir. Ce ne sont pas des œuvres qui étaient forcément destinées à être encadrées. Et puis, on voit très bien ici que le côté orthogonal n'a pas été très respecté. Vous voyez sur la tranche que ça part un peu en biais, le bleu. La base du portrait est un peu en travers. Ça donne à la fois un effet de facture industrielle et puis en même temps, il y a le petit côté manuel, pas toujours bien droit, voilà, qui ressort. Un tableau comme celui-là, c'est donc un châssis bois. C'est une toile qui est encollée, donc encollée à la colle de peau, plus une peinture. Et c'est des matériaux qui vont travailler différemment par rapport à un ajout d'humidité, par exemple. C'est-à-dire que la toile aura tendance à se détendre, mais par contre, la peinture aura tendance à se tendre un petit peu. Donc on a... C'est microscopique, mais à force, c'est un vieillissement accéléré des choses. On sait que dans cette pièce, on a une humidité relative de 48%, ce qui est vraiment très bien pour les œuvres d'art, et une température de 20%. L'œuvre et les caisses sont là depuis quelques jours. ont pris cette atmosphère et je vais enfermer le tout. On va dire que pendant quelques temps, on va être dans des conditions climatiques optimum à l'intérieur de cette boîte. Et donc les chocs climatiques, s'il fait froid d'un seul côté ou si on a une humidité qui arrive, brusquement, ça va être amorti. Le Warhol a été présenté par le passé de nombreuses fois, ou en tout cas plusieurs fois au musée, parce que ça fait partie, on va dire, des Jocondes ou des chefs-d'œuvre du musée. Par contre, il n'a jamais été présenté comme tel. Ce qui est important, c'est justement ce côté très théâtral, très magistral que Warhol avait lui-même entrepris, puisque il avait fait une exposition dans sa galerie de Los Angeles en 1966, à la Ferus Galerie, où il avait présenté son autoportrait de cette série. C'est pas celui-là, pas exactement cette œuvre-là, mais exactement cette typologie d'autoportrait produite en 1966, dans un cadre, de cette manière-là, complètement théâtralisé. Ce qui est intéressant, c'est la sérialité. Grâce à la technique de la sérigraphie, une même œuvre peut avoir un certain nombre de variations, un peu comme dans une partition musicale où on pourrait avoir un morceau et en fonction des accords que vous feriez, bah, la tonalité, la saveur, j'allais dire, du morceau de musique peut être tout à fait différente, ça devient une forme d'interprétation. Donc là, on est un peu dans ce cadre de figure, effectivement, puisque les couleurs, justement, le bleu, le gris, il existe des versions de cette image avec du violet. La toile n'est pas légèrement penchée? Effectivement, elle est pleine de petits défauts. C'est volontaire? J'imagine que oui, puisque c'est là. Hein, généralement, les artistes choisissent s'ils font leurs œuvres, donc a priori, oui. Par contre, ce que je ne peux pas te dire, c'est pourquoi, ou au moment où ça s'est fait, voilà, pourquoi il y a eu ce choix-là, ça je ne sais pas. Je suis allé avec Armand chez Warhol, qui fait de grosses boîtes brio de lessive. Il y a une petite lettre d'ailleurs de Martial Reiss qui est également montrée dans la salle précédente, qui parle de Warhol avec beaucoup d'humour, où il raconte que Warhol, dans son atelier, est vraiment le dur de la bande. De plus, il utilise, c'est très curieux à voir, une équipe de jeunes frappes évaporées pour travailler à sa place. Donc effectivement, on est sur une version d'un portrait de Warhol produit par Warhol et par justement cette bande de jeunes frappés évaporés qui produisent en série ces portraits. Une exposition, surtout sur une collection, c'est également plusieurs styles, plusieurs exercices. On peut être, comme vous avez pu voir dans la première salle, quelque chose qui soit assez didactique quand on est entre Picasso, l'art africain sur le cubisme. Là, on rejoue l'histoire d'une certaine manière. Et un musée doit justement savoir, comme au cinéma, enchaîner différents plans, différentes séquences pour proposer un rythme dans l'exposition, en espérant que ce rythme-là surprendra le visiteur.